Way on the crowd, we're coming out. Got my flesh on its too. Need that picture of you, it's so magical. We'd be so fantastical. Lather and jeans, garage glamorous. Not sure what it means, but this photo of us, it don't have a price. Ready for those flashing lights. Cause you know that, baby, I'm your biggest fan. I'll follow you until you love me. Paparazzi, baby, there's no other superstar. You know that I'll Tu continues de beaucoup travailler avec la famille Dubois. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont mes idoles. Il n'y a pas d'autre mot. La famille Dumois, pour moi, c'est une dynastie. Que ça parte du grand-père Jean-Pierre aux petits-enfants Louis, Jean, Julien, Étienne. Pierre-Étienne, maintenant, qui s'y met. Il faut le féliciter pour sa première victoire. Pour moi, c'est une dynastie. C'est des gens qui sont très droits, qui m'ont beaucoup apporté. Ils m'ont tout appris. Et ils m'ont beaucoup apporté, même dans ma réussite aujourd'hui. J'aurais jamais gagné le 100 léger des trotteurs sans passer chez Jean-Pierre Dubois, parce que Jean-Philippe m'aurait pas amené trop fichard, mais je leur dois tout, tout simplement. Quelles sont les principales difficultés qu'une jeune écurie comme la tienne peut rencontrer aujourd'hui? Les taxes. Les taxes, c'est terrible quand vous partez avec rien dans les poches. Moi, j'ai encore eu de la chance de tomber sur des bons chevaux tout de suite. Ça m'a permis d'avancer et d'avancer. Mais les investissements sont très lourds. Des fois, ça ne va pas aussi vite qu'on veut. Il faut pourtant être à la page et à la pointe de la technologie surtout, parce que sinon, on n'avance pas. Il n'y a pas de danger d'entraîner des athlètes de haut niveau si vous n'êtes pas à la pointe de l'entraînement, à la pointe des soins, à la pointe de tout. Donc, c'est pas facile de concilier l'investissement qui est lourd, à la fois avancer l'argent, tout en restant à la pointe et s'améliorer tous les jours. C'est ce qui n'est pas simple. Je trouve qu'en France, il y a trop de taxes. Ils font régresser les petites entreprises, ils les font fermer. Les grosses entreprises délocalisent, que ce soit dans les chevaux, dans n'importe quelle branche. On est trop surtaxé en France. Nico, c'est la cour des poulains ici, les dés? Oui, tout à fait. On essaie de garder un coin pour les poulains qui arrivent. Ça les met en demi-quarantaine. Ils sont un petit peu plus à l'écart des vieux, prend moins de risques. Donc là, on va tourner avec, je dirais, une petite vingtaine de dés cet hiver. Donc c'est pour ça que j'ai aussi absolument besoin d'une personne compétente pour me donner un coup de main là. C'est ce qui me manque aujourd'hui. Et puisque c'est vrai, quand on a de la réussite, on est à la mode et on a de plus en plus de gens qui nous font confiance. Combien de temps la mode va durer, on ne sait pas trop, mais il faut en profiter, il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Donc il faut du personnel pour nous aider là-dessus. Et là, au niveau des origines, t'as du gros papier? Bah là, il y a 4 pouliches de Michel Mathieu que je viens de rentrer, donc des cocktails avec des mères des filles, oiseaux de feu. On a Royal Dream là-bas, que Franck Amard m'a fait amener. Et puis j'en ai d'autres. Moi, je commence à rentrer des trophies charmes à moi. Donc ça commence à être rigolo. On commence à avoir un peu les étalons qu'on a fabriqués qui commencent à arriver à la maison. Donc c'est assez amusant ça. Tu parlais de Franck Amard et il t'a apporté pas mal de chevaux. Il y a Antonio de Souza également qui travaille avec toi maintenant. Oui, bah tout ça c'est toujours au même rapport. Hein. C'est les rapports que j'ai avec la famille Dubois. C'est pas un secret de dire ou une surprise que j'ai travaillé longtemps chez Jean-Pierre. Donc je suis resté assez bien avec les fils. Jean-Philippe m'a donné un bon coup de main au début. C'est donc lui qui m'a amené Trophy Charme et quelques autres. Et puis Jean-Étienne s'est mis à travailler avec moi, donc il m'a amené Antonio et Franck Amard qui m'amènent de la cam, comme Baggio, Al Capone, Buckingham. Donc ça permet de faire tourner un peu l'écurie et d'avoir des chevaux pour courir au haut niveau déjà, donc c'est intéressant. Si je veux devenir propriétaire chez toi, à part de l'argent, qu'est-ce qu'il me faut? Être mon ami. Être mon ami et avoir une relation de confiance, sinon ça ne fonctionne pas. La confiance, c'est très important entre un entraîneur et un propriétaire? C'est primordial. Si le propriétaire est là pour t'appeler tous les jours en se demandant si tu as fait le boulot ou pas, ça ne sert à rien qu'il reste à la maison. Ça ne fonctionne pas. Et aussi bien pour les ouvriers. Si l'entraîneur n'a pas confiance en son ouvrier quand il est parti aux courses et qu'il se dit « Merde, est-ce que le boulot il a été fait ?», ça ne marche pas. Chaque génération, quasiment, tu arrives à sortir un cheval de premier plan. Il n'y a pas que de la chance là-dedans. Si vous me demandez mon avis, je pense que le facteur chance y est pour beaucoup quand même. Il faut quand même être un petit peu raisonné. C'est clair qu'il n'y a pas que de la chance. On se donne les moyens, on se donne du mal. Moi, mes ouvriers, les gens qui m'entourent, mes parents, mon frère,
tous les gens qui m'entourent, qui vont dire que je suis exigeant, chiant, stressé. C'est clair, mais c'est aussi ce qui fait avancer un truc et qui fait progresser la chose. On va faire semblant de travailler. C'est toujours facile de travailler avec Nico ? Ah bah alors, le moins on se voit, le plus c'est facile. Non, non, c'est pas de problème. Chacun a sa cour ici. Oui, on a les pistes en commun et le marcheur et deux, trois bricoles comme ça, mais ouais, on a chacun notre infrastructure, c'est box, c'est paddock et sa clientèle, c'est chou. Chacun son business. Ouais. Est-ce qu'il arrive de temps en temps, quand un de vous n'arrive pas avec un cheval, qui demande à l'autre un conseil ou même qui lui envoie 2-3 jours pour essayer de... Ben, c'est arrivé au début et puis on a remarqué que c'était peine perdue. Quand il y en a un qui n'arrivait pas, souvent l'autre n'y arrivait pas non plus. Mais ouais, on peut se donner des coups de main mutuels et puis on partage un peu nos idées. Et puis c'est l'entraide plutôt sur les transports aux courses ou... un déplacement où on peut pas y aller, lui va amener le poulain ou des choses comme ça. Aussi, c'est une belle entraide quand même. Ouais, c'est à la fois d'un point de vue économique et puis également un point de vue pratique. Ouais, un point de vue pratique et puis un point de vue moral aussi, parce que quand une écurie a un peu moins de résultats et que l'autre fleurit un peu plus, ça motive et ça permet de se remettre un peu en question. Et ouais, c'est encourageant, on va dire. Si ça marche pour l'un, ça doit marcher pour l'autre au bout d'un moment, logiquement, si ça travaille. Tu as une réputation d'homme de poulain. Est-ce qu'elle te plaît? Est-ce qu'elle est réductrice? Ou est-ce que c'est ta marque de fabrique? Ma marque de fabrique, je ne sais pas. Réductrice, certainement pas. Quand on regarde mon effectif, c'est vrai que j'ai pas beaucoup de vieux chevaux. Une fois qu'ils ont passé 5 ou 6 ans, j'en ai pas. J'ai pas de vieux chevaux. Pourquoi? Parce que je ne veux pas m'attarder sur un cheval qui va prendre 10 ou 15 000 euros dans l'année, qui ne va pas être rentable. Et je préfère passer sur la jeune génération. Parce qu'en cherchant le jeune bon, on a plus de chances de tomber sur le crack qu'en gardant un vieux qui va bouiner à prendre 15 000 euros dans l'année. Donc toi, la recherche, c'est le crack? Je pense que c'est la recherche de tout entraîneur, c'est de tomber sur le cheval de sa vie. Il y en a qui sont tombés dessus très jeunes. Moi, je ne suis pas encore tombé dessus. J'espère qu'en Baggio du Châtelet, j'en ai une bonne partie, mais j'espère trouver encore un cheval d'un autre niveau. Donc non, il faut continuer. Hein. Pour ça, un crack, ça se fabrique. Donc il faut le trouver jeune. À quel moment tu décèles un bon cheval dans ton processus d'entraînement? Un très bon cheval, ça se voit assez vite, comme un très mauvais. Ce qui est difficile, c'est de trouver les chevaux intermédiaires, ceux qui vont être capables d'être rentables. Travailler avec son frère, c'est comment? C'est top. Moi, j'y vois pas d'inconvénient. Surtout que là, on n'a pas les inconvénients de travailler ensemble, on n'a pas à s'engueuler, on est juste là pour se donner un coup de main l'un et l'autre. Quand on a un qui a besoin, l'autre vient lui donner un coup de main et vice-versa. Mais pourquoi tu as choisi de venir travailler chez Nicolas Rimbaud? Alors j'ai choisi de travailler chez lui car comme j'avais l'opportunité de venir ici, je trouvais que c'était très intéressant de travailler chez lui, vu qu'il a été formé par Jean-Pierre Dubois et malgré qu'il n'a pas encore une très longue carrière, il a déjà pas mal de réussites. Qu'est-ce qui te motive dans cette écurie? Il y a des chevaux qui tournent, ça tourne bien, il y a du résultat. Et non, c'est un vrai plaisir de travailler ici. Je pose la question à tous tes confrères, mais l'avenir des courses, tu le vois comment? Mais ça fait déjà 10 ans que je dis que je le vois pas très bien. Comme je dis, déjà, on est trop surtaxé. Donc forcément, il y a de moins en moins d'entraîneurs. Le PMU, ça devient compliqué parce que le jeu, tu es en train de tuer le jeu. Il faut vraiment donner goût à la jeune génération de venir jouer aux courses, parier sur les hippodromes. Je pense qu'il n'y a pas assez de publicité. On voit beaucoup d'affiches pour le football, le rugby s'y met, en ce moment basket, hand, parce qu'ils ont de la réussite. Mais il faut vraiment que le milieu hippique se dise que si on prend pas le taureau par les cornes, on va à la tuerie. Quoi. On est pour l'instant le pays qui tient le mieux debout. Mais pour que ça continue, il faut se donner les moyens que ça continue justement. Alors ça découle sur une de mes questions. Ma dernière question, c'est si tu avais une baguette magique concernant tout le système course, quelle serait ta première mesure pour améliorer ton quotidien à toi? Enlever des charges et des taxes pour créer encore plus d'emplois. Parce que faut pas se leurrer, hein, du travail pour 4 personnes, une écurie comme moi, on peut embaucher que 2 personnes.
Donc déjà là, il faut réussir à trouver quelque chose. Et puis vraiment, il faut réussir à trouver un remède pour faire venir les jeunes par ailleurs. Parce que la vieille génération, elle n'est pas immortelle. Donc l'ancienne génération qui va au PMU jouer, se faire plaisir et tout ça, quand ils vont être passés de l'autre côté, les jeunes, ils vont pas suivre. Donc il faut donner goût à ça. Donner goût aux jeunes de venir le dimanche jouer, parier sur les hippodromes et s'intéresser aux courses de chevaux enfin aux courses de chevaux, parce que c'est vraiment c'est un métier de passion, il n'y a pas d'autre mot, c'est la passion, c'est un loisir. Je pense que c'est plus intéressant de venir jouer aux courses le dimanche que d'aller au casino le samedi soir.